Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Enfin, nous sommes de retour. La ligne du vieux poil, la gang des gérants d'Estrade, on est enfin de retour après une semaine, 10 jours. Oh, qu'il s'en est passé des choses. Le dernier Zoom a été les prédictions pour les séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Mais avant de faire un peu le résumé des prédictions de nos experts, on va présenter nos experts ce soir qui sont avec nous. Mon ami Gordy avec son célèbre chandail de Sturgis, la plus grande réunion des bikers sur la planète aux États-Unis, en Amérique du Nord. Gordy, Sturgis, qu'est-ce que ça dit pour toi? Pour moi, ça dit plusieurs choses. Sturgis. Là, je te dis, c'est un beau voyage, la liberté, tout. Super le fun. J'ai été 2 semaines parti sur mon bike. C'est comme quand je vais à la Laconia, tout ça. Là, les cheveux dans les airs, ben ouais, mais là c'est sûr qu'ils ne voleront pas trop. Là. Écoute, Gordy, on va se faire un zoom à un moment donné sur les bikers, les trips de bike, les voyages de bike. C'était juste pour moi à marquer ma vie, 7 500 km en une semaine. C'est mythique, c'était juste, c'est mythique. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content que tu es là, Gordy. On va parler de nos prédictions, on va parler de qu'est-ce qui se passe dans la Ligue nationale. Merci, Gordy, d'être là. Ben moi aussi, je suis content d'être là. Ça fait longtemps. Là. Je sais que tu travailles pas mal là, ce temps-là. Là. En plus, ça va être pas. Vous allez faire, mais là, ça va prendre un détour là, avec le pont fermé. Il va faire le détour par la 30. Là. Ah, Ben, je vais y aller cet été, à un moment donné. écoute, ça, c'est une autre affaire. Le pont de l'île aux Tourtes, on va pouvoir en parler peut-être avec Marc qui travaille sa construction. Là, tout tombe en morceaux au Québec. Là. Ça, c'est une autre affaire. On va laisser ça de côté. On va se faire un zoom à un moment donné sur les routes du Québec. Vive les routes des États-Unis jusqu'à Sturgis, jusqu'à Laconia, jusqu'à Daytona Beach, puis on en passe. Avec nous aujourd'hui, pour commencer, Richard, merci d'être là. Écoute, Richard, tu as publié une vidéo cette semaine pour les paramédics. Ça nous a touchés. Félicitations, Richard, pour ton travail. 42 ans comme paramédic, c'est ça coche. Merci d'être présent, Richard. Ah, ça me fait plaisir, les gars. Ça me fait trop plaisir de voir la gang. Je sais que tu tombes bord, tu travailles fort. Je sais que tu travailles sur un terrain de golf. Je sais c'est quoi. Puis je sais que tu donnes ton 100%. Fait que, je suis bien content. Non, j'ai fait une petite vidéo. C'était pour. C'était la semaine des paramédics. Puis comme vous savez, je finis de travailler le 29 de juillet par ma retraite après 42 ans. En même temps, que je parle de ça. Puis, ça m'a fait plaisir de saluer ma gang, parce que je connais beaucoup de paramédics au Québec. Il y en a qui ont travaillé avec moi, qui sont rendus à Montréal, un peu partout. Mais ceux qui vont l'avoir vu, mais je suis surpris. Il y a eu quand même plusieurs visionnements, plusieurs personnes qui m'ont envoyé des mots. C'est le fun. La gang m'a envoyé des mots. Merci bien. Sinon, c'est le fun. Merci beaucoup. Écoute, Richard, j'ai hâte de te parler des Blues de Saint-Louis, j'ai hâte de te parler de golf, mais avant, on va faire un petit dernier tour de ronde avec ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Mon chum Bruno, Bruno, écoute, on voulait échanger tout Corras, c'est une chance qu'on ne l'a pas échangé. Madame, c'est lui qui a fait la job en première ronde. Puis, non, faut pas s'en débarrasser non plus. Content de te revoir, je sais que tu travailles bien gros. Puis, on a peut-être moins de zoom avec toi à cette heure, mais quand on se revoit, on est tous contents, puis on a tout à autre. Fait que c'est encore plus le fun de se revoir. Écoute, tu as vraiment raison, Bruno. On dirait qu'aujourd'hui, ce soir pour le Zoom, c'est vraiment spécial parce qu'avant, on faisait des Zooms 3 4 fois par semaine. Mais la vie continue. J'ai commencé à travailler au club de golf de Rivière-Baudette et ça demande beaucoup d'heures. Je suis préposé au terrain dans le jour. Le soir, c'est l'arrosage. Je vais me permettre un petit blasphème. Tabarnak, il ne mouille pas au Québec. Depuis 14 jours, il ne mouille pas. Je fais la danse de la pluie. Je prie le Seigneur. Je prie les étoiles à chaque soir que j'arrive. J'espère qu'il va pleuvoir pour faire des zooms. J'ai des paquets de messages pour faire des zooms. Il ne mouille pas. Donc, à tous ceux qui veulent participer aux zooms, je suis désolé, mais je fais ça bénévolement. Je ne suis pas payé pour faire des zooms. Donc, à ce soir, c'est un spécial Zoom. Je suis content d'être là. Merci, Bruno. Mac. Aucun Mac. Mac, Mac, Mac.
Parle-nous donc du pont de l'île aux Tourtes. Toi qui travailles dans la construction, une petite parenthèse vite faite. Moi, je suis bien content. Je n'ai pas besoin d'aller prendre parce que, étant donné que je reste à Bromont, ben, je prends juste la 10 et c'est le pont Champlain. Moi, je pense aux parents là-dedans là, qui vont fermer des écoles et qui ne peuvent pas aller travailler pendant, jusqu'à lundi prochain. Là, Il n'y a rien de facile là-dedans. Là. Baptiste, les gouvernements auparavant, là, ils n'ont pas investi dans nos routes, puis ça paraît, là, ça tombe en ruine une manée. Il faut que tu entretiennes. C'est comme n'importe quoi. Il faut que tu l'entretiennes puis, pour en prendre soin. Tu ne mets pas d'argent, les routes, ils ne se feront pas tout seuls. Exactement, les routes ne se feront pas tout seuls. Le gouvernement ne met pas d'argent dans les routes. Le gouvernement ne met pas d'argent dans les CHSLD. Le gouvernement ne met pas d'argent dans le réseau de la santé. Le gouvernement ne met pas d'argent dans l'éducation. On va passer à autre chose parce que je vais sauter une coche. Le gouvernement met l'argent où? On ne sait pas. Bon, on va parler hockey. On est là pour parler hockey. On n'est pas là pour parler du gouvernement. Mais avant... Richard est avec nous, puis à chaque fois que Richard est avec nous, on parle de golf. En fin de semaine, il s'est passé un moment historique. Phil Nicholson, à l'âge de 50 ans, comme une rock star, a gagné le tournoi de la PGA en fin de semaine. Écoute, Richard, je ne suis pas un grand amateur de golf, mais je suis l'actualité. Un peu plus que Phil Nicholson se faisait arracher les vêtements sur son dos tellement que cette victoire était historique. Parle-nous en donc un petit peu, Richard. Ton micro est off, Richard. Excusez. C'est ça, je suis ça depuis jeudi. Puis écoute, Nicholson, jeudi, ça a pas bien commencé. Puis à un moment donné, il est parti sur une lancée de birdie. Il s'est mis à bien poter. Il lançait des dards. Il lançait des dards sur les verres, tout le temps des choses qu'il pouvait envoyer à chercher le birdie. Ça a parti à décoller. Il a super bien drivé aussi. C'était du grand Phil Mickelson, puis c'était pas un terrain facile, les gars. Là. On dit une affaire, là, je regardais ça, puis écoute, il y avait des bons joueurs là-bas, là, puis il n'y a pas un gars qui a joué dimanche en bas de la normale. Pour vous dire un peu comment que le terrain était, là. C'était un terrain très difficile. Puis je regardais des départs, puis je voyais de l'eau devant, je me disais, comment ils vont faire passer ça, puis ça passait. Il a frappé une de 300, la plus longue de la semaine du tournoi. 362 verges qu'il a frappé au 16, je pense, dimanche. La plus longue qu'il y a eu cette semaine. Il a frappé plus loin que de Chambault. 342. Peu importe, là. Il était loin. Comme on dit, il l'a pincé sur le museau. Non, j'étais content pour... Moi, l'autre fois, on a fait un zoom, puis le gars, j'avais dit que mon joueur, c'était filmé comme ça. Et le monde était content pour lui, mais j'ai trouvé ce que qui m'a écœuré de ce tournoi-là, c'est la fin, là, quand le monde se garochait. Capcut a eu de la misère à sortir de la foule avec son cadet. Je m'excuse au Canada, je suis allé au tournoi à Montréal, au Royal Montréal. Je suis allé deux fois à la Coupe des Présidents pour le tournoi qu'il y a eu là-bas. Là. Ça ne se passe pas de même. On n'a même pas de cellulaire quand on enlève nos cellulaires. Puis les Canadiens, là, j'aime pas les Ontariens, puis je vais parler de Toronto, ça ne fait même pas ça. C'était hors classe. Ah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de monde. M'excuse, là, ça ne va pas vivre. Là. J'en revenais pas. Écoutez, c'est un tournoi. C'est sûr, il y a 10 000 personnes qui sont allées en entour. Tout le monde était content pour mes questions. J'ai trouvé que c'était un manque de classe. Là. Tabarouette. J'en revenais pas. Le monde était comme. On dirait Tiger Woods dans ses belles années. Là, ça ressemblait à ça. Moi, c'est le bout que j'ai dit, mais Mickelson a joué du gros golf. On a eu des beaux coups de golf. On a eu des coups manqués, là, des joueurs. Là. Mickelson, quand il l'a mis au sixième, que le par trois, il était dans la trappe, il a mis ça dans la cope. Là. C'est la partie là. Là. Non, c'est tout un joueur de. J'étais bien content pour lui. Même si c'était un gaucher, j'étais un droitier. Mais je ne suis pas de gaucher. Mais non, j'étais content pour le gars, 50 ans. Jouer contre des jeunes loups comme ça. Puis quelque cas, c'est vrai qu'il aurait pu aller chercher, mais j'étais content pour Mickelson. Puis. Tandis qu'elle continue sur le gars, j'avais dit tout à l'heure, j'avais une petite nouvelle. Ben, on a une petite fille du coin, de Victoriaville. Ben, son père, c'était un de mes locataires à Paix Civile. Fait que sa fille, elle va représenter le Canada au tournoi des États-Unis. Noémie Paris, elle va jouer dans le tournoi. C'est la seule Québécoise qui s'est classée là, à
elle va jouer au tournoi qui débute en fin de semaine, je pense. Je ne suis pas sûr des dates, là. Mais en tout cas, même le premier ministre aujourd'hui, Legault, n'a pas parlé. Moi, je savais que c'était lancé, mais elle va être là. Une belle grande fille, là, je vous le dis. J'étais content. C'est le fun, une petite fille du coin, puis je souhaite bonne chance. Ça ne sera pas facile, là, on va jouer contre les meilleurs. Là-bas, c'est les top 60 plus des invités ou 72. Là. Fait que non, j'étais content. Même sa grand-mère aujourd'hui, ben, pas sa grand-mère, sa tante m'a écrit, me dirait, je le savais. Mais non, c'est le fun. Petite fille du coin. Fait que je suis bien content. Puis j'ai mon petit gars de plus civil, mon petit Maverick Book, qui est rendu à Dallas, là, passer un petit message de mon coin. Il joue à Shawinigan. Il a scoré son premier goal là, là-bas, là, avec l'équipe avec Dallas, l'équipe de la ligne américaine. Il a scoré déjà un goal. Il est là-bas, je ne sais pas si il a fini, mais je sais qu'il a joué des matchs là-bas. Bien content pour lui. Le civil, c'est pas gros. On produit des bons joueurs de golf, des bons joueurs de hockey aussi. Écoute, j'ai été. L'anneau vient de Victoriaville. Écoute, j'ai été te visiter il n'y a pas longtemps à Plessisville, puis c'est vrai que c'est vraiment une belle place de sportif. Écoute, on va aller dans le vif du sujet pour notre Zoom d'aujourd'hui. On va aller parler de hockey. On va faire un petit résumé de vos prédictions, les experts. Je vais commencer avec Mac. Mac, qui avait choisi Washington en 6. Ça n'a pas bien été. Mais après ça, je veux juste faire un résumé de vos prédictions. Puis après ça, on va en parler. Ensuite de ça, Marc avait choisi Edmonton en 6. Ça n'a pas bien été. Colorado en 7. Correct. L'Avalanche a gagné. Je vais aller voir Gordy. Gordy, le trophée du Nostradamus, les Bruins en 5. Gordy qui avait prédit les Bruins en 5, Colorado en 6, donc 2 en 2, mais Edmonton en 6. Donc 2 en 3 pour Gordy. Bruno, les Bruins en 7. Bruno a eu raison pour les Bruins. Edmonton en 6, Colorado en 7, donc 2 en 3. Richard. Les Bruins en 6, oui. Edmonton en 6, non, mais ça, tout le monde s'est trompé sur la prédiction Edmonton Jets. Mais Richard avait prédit les Blues en 7. Richard, qui était parmi les deux sur 30 participants qui avaient prédit les Blues. Je vais retourner avec toi tantôt. Denis Vandal, qui était présent lors du dernier Zoom, avait prédit Washington en 7. Denis n'est pas là pour se défendre. Mais Denis avait prédit une victoire des Jets en 6. Donc, bravo à Denis. C'est ça qui va écouter le Zoom de ce soir. Puis bientôt, on va avoir Denis avec nous pour un prochain Zoom. Et Colorado en 6. Donc, avant de commencer, je vais aller voir Richard là, pour nous expliquer là, lors des derniers zooms qui nous disait checker les zooms, regardez bien les blues, regardez bien les blues. Oh, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Louis, Richard? Pour moi, ils ont manqué l'avion. Alors, c'était vraiment, là, ils m'ont déçu, mais Gaulard n'a pas fait la job. Puis je me disais, en tout cas, avec les joueurs qu'il y avait, puis je trouvais qu'il y avait quand même une bonne équipe. C'est vrai que Perron leur a manqué beaucoup. Perron leur a manqué. Il y avait une très bonne saison. J'étais déçu. Je m'attendais, tu sais, j'avais dit Saint-Louis, mais Avalanche, c'est une très bonne équipe. Avalanche, on patine. McKinnon est tout le temps dans le trafic. Gérard à défense. Leur goaler, il fait le job. On les voit moins. Ils ont moins vu cette année en plus. Fait que, non, Avalanche, une très bonne équipe. Puis, en 4, là, ça m'a surpris. Là. Je ne joue pas le seul. Puis, comme on dit, après ça, Winnipeg qui sort Edmonton en 4. Ça prouve une chose qu'une équipe d'hockey, ça ne marche pas juste avec deux joueurs. On l'a vu avec eux autres. Là. Mais Saint-Louis avait une meilleure équipe que ceux. Le part dans 4, j'étais surpris un petit peu. Là. Une bonne équipe Saint-Louis, je pensais que.
avec Koug en plus, mais rien fait Koug à Saint-Louis cette année. Fait que la preuve, il nous a manqué à Boston aussi, parce que c'est pas la même affaire. T'sais, il aurait pu. Je pense que la perte de Pelangelo, je pense, l'aurait fait plus mal qu'avoir été chercher Koug à Saint-Louis. En prenant de toute façon. Si on s'est trompé, là, et... Canadien, ben, la prédiction ne changera pas. Hop, New York vient de prendre les bains 4-3, les gars. Yes. Ils perdent 3-2, c'est 4-3. Bruno, il joue quasiment. Écoute, Richard, c'était comme une longue shot, ta prédiction pour les Blues. On va tout de suite aller parler de la victoire des Blues en 5. Personne n'a prédit la victoire des Blues en 5, sauf Gordy. Gordy, la victoire des Blues, juste quelques chiffres vite fait avant de t'entendre parler de ta prédiction parfaite. Washington, aucune victoire en série depuis leur Coupe Stanley en 2018. Tukarask. 1,81 de moyenne, 941 de pourcentage d'arrêt. Des chiffres, Tyler Hall, premier trio, Pasta, Bergeron. On va laisser les chiffres de côté. Mais Gordy, sur quoi que tu t'es fié pour prédire les Blues en 5? Bien, c'est sûr, en partant, ça prend un coup de chance, le nombre de matchs. Là. Mais moi, je me suis chié, je savais que Kuznetsov, il ne commençait pas. Puis, je trouve le 19, je pense qu'il était blessé, le 19. Puis, Chara, moi, ça ne me faisait pas peur. Je savais qu'il était rendu slow. Puis, Boston, il avait eu le meilleur dans la saison, puis tout. Là. Puis, Boston, depuis qu'ils ont deux lignes, là, puis ça travaille fort. Là. Puis, avec McAvoy, là, qui ressort, surtout que j'aime. Pour une fois dans ma vie, Tukaras, là, je n'ai confiance. Comparativement aux autres années. Là, il a l'air. Là, il go comme un goaler top 1. Je ne suis même pas inquiet qu'il va donner un mauvais but, on dirait. Là. On dirait là, qu'il l'a. Là. Cette année, juste ici, là, il m'impressionne, Ras. Je suis content de l'avoir défendu cette année contre. Je ne sais pas contre qui, là, je ne me rappelle plus. Écoute, Gordy, oui, on a eu nos chicanes, on a eu nos débats avec Tukarask, mais Tyler Hall fait tellement la différence. Trois points dans puis cette série. Puis Charlie McAvoy, là, c'est tout un roi de défense. Oh. Parlant de Charlie McAvoy, je vais aller voir Mac. Durant tout l'hiver, tu disais que Charlie McAvoy est un candidat au trophée Norris. Charlie McAvoy, 5 points dans cette série, un des meilleurs buteurs parmi les Bruins. Charlie McAvoy fait tout un travail. Mais tu avais prédit la victoire de Washington. Comment tu te sens dans cette balance-là? Là, j'aurais dû appeler, parce que quand j'ai fait mes prédictions, là, j'aurais dû appeler mon chum Gordy, parce que je savais pas, moi, je pensais que Samsonov partait la série, puis il partait pas. Puis, mais moi, je pense, mettons, si Samsonov start la série, parce que là, oubliez pas, là, 3 games en overtime, tu sais, que ça peut aller d'un bord ou de l'autre, puis le troisième match, 2-3 overtime, ça a été long. Puis moi, je pense que le deuxième match, sérieusement, Washington a gagné le premier match. Les deux premiers matchs, moi, je pense que Washington a mieux joué que Boston. Puis avec Samsonov dans les nets, sans aucun doute, ça ne va pas en overtime. Anderson, là, il en a passé une coupe de citron. Écoute, le gars, 38 ans, il a roulé 3 parties. Mais à partir du troisième match en prolongation, nette domination de Boston, ça n'en était même pas drôle. Ça en était de toute beauté. Même pas drôle. Je veux dire, ça n'en était pas drôle. La façon de parler, là, c'était frappant. Ceux qui disent là, que Price, il s'en calisse toute l'équipe, là, regardez comment il est là, présentement dans la série. Il ne s'en calisse pas. Mais regardez Ovechkin, en guirlandais, son gardien au troisième match en russe, s'il vous plaît. Pour qu'ils comprennent bien devant tout le monde, 20 caméras, même pas dans la chambre. Ça a coulé les Capitals. Puis après ça, ils n'ont jamais été dans le coup. Puis Boston ont dominé ça. Là, comme je dis, à partir de la prolongation, à partir du premier période de la prolongation, ils ont dominé Boston de cette période-là. Puis après ça, avec le match 4, match 5, Washington n'était même pas là. Puis Kuznetsov, c'est sûr qu'il est parti l'année prochaine. Puis il n'y a jamais de boucan sans feu. Il semblerait que
Il y a beaucoup de, il y avait beaucoup de bisbilles dans le vestiaire. Ça enlève la marre des poignées à Washington, mais ça n'enlève rien. Boston, chapeau. Moi, là, j'ai adoré ce que j'ai vu. McAvoy, garde, Pierre, je t'en avais fait mention. Puis je t'avais fait mention aussi, j'ai été un grand défendeur de Tuukka Rask pendant toute l'année. S'il n'y a pas de Tuukka Rask là, c'est pas la même série, tant mieux. Puis ça te prend un numéro un dans la série. Et peut-être que Swayman aurait fait la job, on ne sait pas, mais Tuukka Rask, moi, je suis bien confiant. Puis je suis très confiant que ce soit Islanders ou Pittsburgh. Je pense que Boston va sortir de la division. Je suis pas mal convaincu aussi que Boston va sortir de la division aussi. Mais quand tu parles du comportement de Ovechkin, quand il a donné un peu de la marde à Samsonov, on dirait que là, tout s'est écroulé du côté de Washington. C'était un peu un geste de « me, myself and I ». C'était vraiment déplacé d'Ovechkin. Et puis, je pense que les belles années des Capitals sont maintenant rendues derrière. C'est rendu une équipe vieillissante. Malheureusement, pour notre ancien capitaine, Chara, ça a été le fun de voir terminer sa carrière un peu comme Raymond Bourque avec une Coupe Stanley. Mais ça ne va pas arriver. Écoute, Marc, on pourrait s'en parler beaucoup là, de ta prédiction contre les Blues. J'ai hâte de voir ta prédiction. Là, tu dis que les Blues vont sortir de la division. Lors de notre prochain Zoom, ça va être les prédictions. Je vais aller voir Bruno. Écoute, Bruno, on a parlé beaucoup de Tuukka Rask, on a parlé beaucoup de la série contre Washington. Comment tu as vécu la série contre les Capitals? Une victoire en 5, mais 4 victoires consécutives. Moi, je n'aurais jamais gagé là-dessus 4 victoires consécutives contre les Capitals de Washington. Franchement, boys, moi, je peux vous dire que la première, puis je dis juste la première partie, ça m'a inquiété parce que on a fait dur ben raide. Mais après ça, là, deuxième, troisième, quatrième, c'était bien correct. On a joué. Chara, tu vois que. Je peux pas dire que c'est une grosse perte. Tu vois, Chara, il suit plus. Il est lent. Puis il a beau être bon défenseur, là, mais Chara, il avait de la misère à suivre. Puis Rask, ben, on a parlé durant la saison. Je pense que Rask, l'affaire qui est arrivée l'année passée, puis il veut 2 ans, là, il veut tellement montrer que c'est pas de sa faute, puis que c'est un bon gars-là parmi l'élite, là, que je pense que Rask, cette année, il peut aller au bout, puis il ne clenchera pas. J'ai une intuition de tout ça. Puis il y a un joueur cette semaine, Dave Bruns, qui a dit « La plus grande force des Bruns, c'est dans la chambre. » Dans la chambre, là, c'est tellement... Winner dans la chambre, c'est tellement motivateur, les boys, puis on veut tellement. Puis l'arrivée de Taylor Hall, qui aurait dit qu'un joueur, on dira pas un, puisque Lazare est arrivé aussi, là, mais Taylor Hall est arrivé, puis ça a tout changé. Fait que non, moi, je suis bien content, puis Boston peut aller très loin cette année, très, très loin. On a fait des zooms dernièrement, surtout quand je parlais de l'échange de Tuukka Rask, je disais. L'important, c'était d'aller chercher quelqu'un sur le deuxième trio. Je disais tout le temps, qui? Taylor Hall. Puis qui était avec moi? Il n'y avait pas grand monde qui était avec moi. Là. Je me souviens, là, je vais peut-être aller voir d'autres Zooms. Vous étiez un petit peu comme là, Taylor Hall. Là. Bon, il était à Buffalo, il était nanana. Mais c'est un peu comme Mac, là, les prédictions, comme Gordy avait dit, les Blues en 5, des fois, on fait des prédictions, on vit juste, mais Taylor Hall a vraiment tout changé chez les Blues. Puis comme tu dis, Bruno, je crois que Tuukka Rask qui est en mission cette année. Il a une bonne réputation chez les Blues, mais il a une réputation qui n'a pas gagné la Coupe Stanley. On compare un peu à Tim Thomas, à Jerry Chivers. Il n'a pas gagné la Coupe Stanley encore. Il domine chez les Blues côté victoire en série éliminatoire, mais il en manque une, la plus importante. Il l'a gagné en tant que second goaler, mais on s'entend-tu qu'il veut le montrer qu'il est capable de goaler en tant que number one? On l'entend-tu? On s'entend-tu? Puis c'est ça que c'est sa mission cette année. C'est numéro un. Bien, c'est ce que je pense aussi. On va demander l'opinion de Richard. Écoute, Richard, que penses-tu de la mission de Tuukka Rask cette année? On a voulu l'échanger, mais moi, pour avoir du renfort sur le deuxième trio, deuxième trio avec Taylor Hall, ça fonctionne à plein régime. Tuukka Rask fonctionne à plein régime aussi. Qu'en penses-tu? Ben moi, j'étais dans les premiers qui ne voulaient pas échanger Rask, si vous vous souvenez bien.
Je voulais le garder. Cette année, ce goaler-là, il y a quelque chose à prouver. Puis en même temps, il y a eu ses blessures là, qui nous ont inquiété un peu. Mais ce goaler-là, tu le regardes à tous les soirs. Là, il performe. Il accorde pas beaucoup de méchants buts. Là. Des fois, il y a beaucoup d'erreurs. On fait beaucoup d'erreurs dans notre zone. C'est ce que je trouve. Mauvaise passe. On sort pas la rondelle. On fait des freins. C'est ce qui nous a coûté des buts contre Washington. Là. Il va falloir faire attention parce que là, pour moi, on va pogner les Islanders parce que là, ils mettent 5 à 3. Rass, là, il m'impressionne. Puis, comme on dit, hein, ce gars-là est en mission. Là. Ça y paraît. Puis, il sait que tu as été dit, ah, oh, Rass, c'était comme si Rass. Puis, cette année, il veut dire, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Ça va prendre la part de tout le monde. Puis, je pense que tu parlais de Hall tout à l'heure. J'étais le gars qui t'appuyait, puis moi, je faisais longtemps, je disais, il faut aller chercher Hall. Il me dit, ah non, allez pas chercher ça, il est comme ci, il est comme ça. Écoute, ça n'a pas été un premier choix de la Ligue nationale, pas rien. Hall, on boit la preuve, là. La dernière game, je l'ai trouvé fatigué, par exemple. Ça m'inquiétait un peu, la dernière game, je l'ai trouvé fatigué. Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait chaud, je ne sais pas quoi. Les autres games, là, ta barouette shiftait. Tu voyais qu'il y avait un bon coup de patin. Ma dernière game, il y a un bout, là, je l'ai senti fatigué, mais là, il va avoir eu le temps de se reposer. Là, c'est une bonne affaire, guérir des blessures. En espérant que Miller va revenir. Ça fait mal. Là, Lauzon va peut-être revenir. Miller, là, ça nous prend ce gars-là à défense pour aller gagner avec Stanley. Là. Ce gars-là est capable de frapper, est capable de. Puis, comme vous disiez tout à l'heure, dans la chambre des Bruins. Je ne sais pas si nous avons une autre chambre de même dans le national. Je n'ai jamais été dans la chambre. Là. Tout le monde en parle de la chambre des Browns. À Boston, c'est le même. Si tu ne cadres pas avec nous autres, là, tu ne resteras pas à Boston. La preuve, on a changé des patins de bons joueurs à Boston à cause de certaines justement choses. Puis je pense qu'on a un capitaine. On perd. Je pense que c'est, présentement, là, je pense que c'est le meilleur capitaine de la Ligue nationale. Là. Crosby, oui. Mais je pense que Bergeron, là, présentement, fait une super de job à Boston. Vous avez vu un peu des séances d'entraînement. Là. Le premier entraînement qu'ils ont eu l'autre fois, tu voyais, Bergeron, tu allais voir tous les joueurs. Tu n'as pas oublié, tu allais voir tout le monde. Ça prouve une chose que ce gars-là, là, c'est tout un joueur. Puis, moi, je pense que Boston va sortir. Et New York Islanders commence à m'énerver. Je suis sûr qu'eux autres, là, on a tout le temps de la misère contre eux autres. Là. Il va falloir les frapper, puis Beauvignier, puis il va falloir Pajot, il joue tout le temps du bon hockey en plus que contre nous autres. Là. En tout cas, je pense que Boston, on va se rendre j'ai dit l'autre fois une finale de la Coupe Stanley, ça va être Boston contre Las Vegas. Écoute, Jean, tu as parlé beaucoup de Patrice Bergeron. Écoute, on va faire un petit résumé, là, mais Patrice Bergeron, quel joueur de hockey, quel capitaine, quel remplaçant de Chara. Écoute, Gordy, je te dis le nom de Patrice Bergeron. Qu'est-ce qui te vient à l'idée de Patrice Bergeron? On l'a vu au dernier match, 2 buts. C'est vraiment un remplaçant hors pair pour Chara. Tu parles de Patrice Bergeron, je pense à Gordy Howe, monsieur hockey. Il y a tout ce gars-là. C'est un leader, il y a tout. Quand je pense que les Canadiens ont laissé passer ça, ils l'avaient dans le coup. Je pense que Patrice Bergeron, je ne me trompe pas, il a été choisi 44e, je crois, le Mac. Marc est plus historien que moi, mais il me semble que c'est ça. C'est ça que je disais à mon chum aujourd'hui. Comment ça se fait que les Canadiens ne sont pas capables de repêcher des bons joueurs? Boston, ils repêchent plus loin que les Canadiens bien souvent. Je vais me dire qu'ils sont chanceux, mais ils repêchent quand même ces gars-là. Pasternak, 25e. Bergeron, regarde. Bergeron, regarde. C'est tout un rôle. Okay. J'ai bien aimé la colère de Chara. Ça faisait. Je te passe le flambeau, mon homme. Écoute, Gordy, tu parles de ça. C'était la photo qui m'a touché le plus dans le monde du sport depuis plusieurs années. Je vais demander aussi l'avis de tout le monde. Là. Écoute, Gordy, oui, tu résumes assez bien. Je te passe le flambeau. Ça nous a tous touchés. Gordy, pour Chara, crois-tu qu'on a vu son dernier match dans la Ligue nationale contre les Blues cette semaine? La manière que j'ai lu aujourd'hui, d'après moi, il remerciait tout le monde, sa famille et tout. Ça semble être la fin. Là. D'après moi, c'est lui qui va le savoir cet été, probablement. Là. Ça sent la fin, je pense. Là.
Ou d'après moi, il n'en verra plus. Ce qui est plate avec notre ancien capitaine, c'est que son dernier match n'a pas été devant des spectateurs. Je vais continuer avec toi, Gordy, puis je vais demander les mêmes questions aux autres après. Advenant que Zdeno Chara ne revient pas, penses-tu que son chandail va être retiré par l'organisation des Blues? Ouais, il y aurait des grosses chances. Je serais pas surpris que les Blues qu'ils trouvent une petite job dans l'organisation. Là. En tout cas, je verrais là. À revenir d'un bureau et tout là. Non, mais d'après moi, oui, d'après moi, il devrait le retirer. Je ne sais pas, ce n'est pas les critères, là, ben non, d'après moi, oui. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Je vais aller voir Marc. Écoute, Marc, on a commencé la discussion en parlant de Patrice Bergeron. Quel capitaine, quel grand joueur de hockey et quel grand homme. Écoute, moi, les Bruins, je les ai détestés presque autant que les Nordiques dans le temps. Puis c'est à cause de Patrice Bergeron que maintenant, tu sais, je déteste pas les Bruins, puis j'y regarde, puis j'admire ce gars-là. Moi, je suis patriotique au coton. Je suis fier d'être Québécois, parler français. Puis lui, il nous représente très bien, très, très fier de venir de la même province que lui, pas le pays. Je parle la province, il parle français. Puis c'était un capitaine dans une des Original Six à Boston. Grosse classe. Moi, mes beaux-fils ont joué au hockey, puis ils ont fait des écoles de hockey. Puis Patrice Bergeron, c'en est un qui va voir les jeunes. Puis, tu sais, c'est ça à coche tout le temps, tout le temps. Il est rendu avec de la notoriété. C'est le même gars. Il ne change pas. Puis il a du respect. Puis c'est sûr que ce n'est pas lui qui va faire 100 points, là, mais c'est un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale. Moi, j'adore ce type de joueur-là. Je prends Bergeron dans mon club. T'sais, on ne parle pas du même âge. Avant McDavid, pour bâtir une équipe championne, je ne veux pas vendre d'étiquette, là. Mais pour bâtir une équipe championne, je prends Bergeron, moi, là c'est dans mes top 10-15, certains. Regarde, chapeau, puis il a remplacé. Puis Chara, c'est même pas une question, le 33, il va être en haut dans le TD Bank, c'est sûr et certain. 14 ans, capitaine, là. Chapeau, Chara. Un autre gars avec la classe. Fait que moi, non, moi, Bergeron, c'est garde pour ça qu'à cette heure, moi, ben, les Bruins, je déteste pas ça. Moi, je garde ma haine pour les Leafs. On va en parler des Leafs dans pas long. Marc, écoute, Bergeron, c'est une icône maintenant au Québec. Je vais demander l'opinion de Bruno. Écoute, on a commencé à parler de Patrice Bergeron. Quel athlète, quel représentant pour la ville de Québec, un capitaine hors pair. Qu'en penses-tu? Ah, je suis tellement fier d'être Québécois puis qu'il nous représente. Puis, il a tellement accompli, ce gars-là. Puis, il a le mot pour parler. Il a le don de quand c'est important, il fait le jeu. Il fait tout sur la glace. Il est capitaine. Puis, comme on a dit tantôt, là, c'est le meilleur capitaine de la Ligue, c'est sûr et certain. Puis, il n'a plus rien à prouver, le gars. Il joue parce qu'il aime jouer. Il joue parce qu'il aime le hockey. Puis parce qu'il veut gagner, il y a une coupe, puis il en veut un autre, puis ça paraît. Exactement, ça paraît. Puis pour notre ancien capitaine, penses-tu que son chandail va être accroché au plafond du TD Park? C'est évident. Avec toutes les saisons qu'il a passées à Boston, ça a été un grand joueur. Il n'y a plus rien à prouver. Que ça a été avec Ottawa, New York, nous autres, Washington. Il a fait sa marque dans l'histoire. Puis non, il n'y a pas à se poser de questions. Son jeu va être retiré en haut, c'est sûr. Écoute, c'était vraiment touchant lorsque, après la victoire des Bruins, on a eu Chara donner une accolade à tous les joueurs, à Patrice. C'était vraiment touchant, la photo avec Tuukka Rask, puis aussi avec Charlie McElroy. C'était comme, on l'a vu, c'était comme le passé flambeau au meilleur défenseur. On va aller voir Richard. Écoute, Richard, là, on parle de Patrice, on parle de Chara. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux phénomènes chez les Bruins? C'est qui, ça, Patrice Bergeron? Je ne connais pas. Alors, vous savez, j'ai une admiration pour ce gars-là. Moi, écoute, par la TV, là, il a passé quelques fois à GC au 5 à 7. C'est un phénomène, ce gars-là. Tu l'écoutes parler, là, puis tu ne peux pas t'empêcher de l'écouter. C'est la manière qu'il parle, la manière qu'il s'exprime. C'est jamais Patrice. C'est tout ce qui est en entour de lui. C'est un spécial, ce gars-là. Là. Je ne sais pas quelle planète qui vient, mais c'est vraiment... C'est un Guy Lafleur. Oui, je compare à Guy Lafleur. Guy Lafleur, c'est la même affaire. Guy Lafleur n'a jamais dit « Ah, c'est moi qui ai scoré des buts. » Il parlait de l'équipe. Il parlait des... C'était un gars comme ça. Puis c'est un gars qui est généreux.
Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Je serais très, très content de le rencontrer. Cette semaine, je suis allé acheter mon petit bâton chez Tim Hortons. Patrice Bergeron. Je l'ai. Il est à côté de ma TV, à côté de mon chat. Il est là. Mais non, Patrice Bergeron, c'est un phénomène. C'est de le voir. La manière qu'il agit, là. Puis même contre l'adversaire, là, tu le vois, là, tu sais, c'est pas le gars là, qui va. Il joue au hockey, il veut gagner, puis il veut une Coupe Stanley. Puis on pourrait en parler des heures et des heures de Patrice Bergeron. Mais Chara, quand on parle de Chara aussi, moi, Chara, c'était un grand capitaine. C'était un monsieur, ce gars-là aussi, il était aimé à Boston. Là. On le voyait dans des choses, là, mettons, caritatives, là. Il allait mettre des tartes, il n'y a rien qu'à pas fait, ce gars-là. Là. Un gars de 6 pieds 9. Moi, j'ai eu la chance de le voir. J'étais à côté. Là. Il est grand. Il est grand. Puis, il salue le monde. Puis, tu sais, c'était un gentleman ici. Puis, j'espère, je suis certain que son chandail va être retiré à Boston dans pas long. Puis, non, c'était un. Puis, comme tu dis tout à l'heure, avec Patrice Bergeron en fin du match, avec Pasternak aussi. Là. Pasternak l'a dit. Il a tweeté ça, en tout cas, moi, je l'ai pogné, là, je l'ai regardé. Il a tweeté ça, il dit, je suis content si c'est Richard dans mes bras. Il dit, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dino Chéri. Parce que le gars qui est arrivé à Boston, lui aussi, il ne sait pas ça sortir, je pense. J'aime ça encore. Il était mentor pour McAvoy, Bergeron. Puis, c'était un grand capitaine, Chéri. Moi, pour moi, dans mon livre à moi, là, il est plus grand capitaine que Ovechkin. Ovechkin, ce qu'il a fait, là, moi, on a parlé tout à l'heure, ça se fait pas. Jamais Patrice Bergeron n'aurait fait ça. On peut en nommer Crosby non plus, n'aurait pas fait ça. Ce qu'il a fait là, c'est plate. Là, son goaler a fait une erreur, le défenseur, mauvaise communication. Tant mieux pour nous autres, on a gagné. Écoute, Richard, on s'entend tous pour dire que Chara était un des meilleurs capitaines dans l'histoire des Blues. Son chandail va être retiré et il va avoir une place au Hall of Fame à Toronto dans pas longtemps. On s'entend tous là-dessus. On va faire vite fait sur la série de Colorado-Saint-Louis qui était comme un éclair là, en 4 matchs. Gaudy, la série Colorado-Saint-Louis en 4 matchs, c'était comme... Un sport restaurant, vite fait, on n'en parle plus. Bon, j'ai été surpris. Moi, j'aurais pris Colorado, mais je n'aurais jamais passé en quatre. Moi, je m'attendais à plus de résistance de Saint-Louis. Puis, chose, Krug, il ne m'a pas impressionné. C'est sûr qu'il manque au bout, puis la relance de l'attaque, là, avec McAvoy, ça l'aiderait. Là. McAvoy, il n'était pas content quand Krug a parti. Là, ben, non, j'ai décidé de Saint-Louis, mais c'est vrai que David Perron les a beaucoup manqués, je pense. Perron, c'était un de leurs leaders. Ça les a fait mal. Puis Bennington, il ne gaudait pas comme d'habitude. Mais il faut dire que Colorado, ils ont toute une équipe. Et ça patine, Colorado. Là. La POC, sont comme Tampa Bay puis Floride, elle ne reste pas trop longtemps sa palette, pour dire une affaire. Si tu vois, c'est ça. Si Golo se met à boyer moindrement, il va avoir un arrêt de lui, puis il va pogner des coups de soleil à force à la lumière aux allumés. Écoute, Gordy, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Je veux qu'on parle du Canadien dans pas long. L'autre série qui est terminée déjà, les Jets en 4 sur les Oilers. Je vais aller demander l'opinion de Marc. Écoute, les Jets en 4, les Jets qui étaient en chute libre en fin de saison, là, 9 défaites consécutives. Le Canadien Montréal était proche de les dépasser au classement dans la division canadienne. Que s'est-il passé avec les Oilers, avec la gang de McDavid, de Dreisaitl? Que s'est-il passé? Écoute, moi, dans les séries, qu'est-ce qui me faisait peur à Edmonton? Tu sais, quand tu dis que tu es un goaler numéro 1 qui a 38 ans, Mike Smith qui a eu une très belle saison. Là, chapeau, là. Écoute, j'aurais jamais pensé ça. Mais Hellebuck, là, n'oublions pas là, que c'est un gagnant du Trophée Vézina. Il a eu une saison atroce, un peu comme Price. Tu sais, c'est dans le même style. Là. Ils ont eu le même style de saison, Hellebuck. Puis les Jets et Canadiens, ils ont eu le même style de saison aussi. Hein. Ça a battu pour le 3-4. Là, puis heureusement, les Jets ils ont pogné Edmonton. Mais Hellebuck, là, il gold. Puis, ben, c'est ça. Edmonton, eux autres, c'est un cheval à deux têtes. Puis moi...
le meilleur joueur de la Ligue nationale, moi, j'ai toujours dit, moi, que c'était McKinnon. C'est pas, c'est même les points, je m'en fous, moi. Moi, faites-moi gagner. Regarde McKinnon, comment est-ce qu'il va dans série, puis regarde McDavid. Moi, je prends McKinnon pour bâtir mon équipe comme un peu Bergeron, là, qu'on parlait tantôt. Mon numéro un, moi, c'est Nathan McKinnon. Fait que, regarde, Edmonton, ils ont une série. D'après moi, là, c'est dans la culture, là. Ça part de bien loin, là. Regarde, on parle de Tyler Hall, Yakupov, il y a un Nemeth, Paul Yarvi, là, c'est tous des choix là, d'être top 5. Là. Ça n'a jamais soudé ensemble. Ils sont rendus qu'une culture de perdant, il faut le faire parce qu'on s'entend-tu que moi, pour moi, de mon vécu, là, les Oilers d'Edmonton des années 80, c'est l'équipe les plus fortes que j'ai jamais vues de mon vivant parce que je n'ai pas vu les années canadiennes des années 70. Moi, les Oilers, puis tu sais, c'est rendu pathétique, là. Tu sais, on parle de culture, là, la culture n'a pas suivi. Même Gretzky, là, il a donné sa démission de VP là, pour aller analyser le hockey à TNT, là. C'est sûr que ça va être plus payant, là. Mais écoute, là, je pense qu'il est découragé autant que les autres, là. Écoute, tu parles de Connor Hellebuyck, 1,60 de moyenne, 950 de pourcentage, je dirais, 950, là. Oui, monsieur. On est proche de la perfection. Là. Oui, monsieur. 950. je vais aller demander l'opinion de Bruno. Que s'est-il passé avec les Oilers d'Edmonton? La débandade totale là, en quatre matchs contre les Jets. Ah, c'est triste à voir. C'est sûr que ça dépend de deux joueurs. On s'entend-tu que ça dépend de deux joueurs? Moi, je me rappelle jeune, j'écoutais Gretzky, Messier. Puis... À chaque fois que je regardais les Oilers, je pense tout le temps à ça. Je me dis, crème, à un moment donné, ils vont débloquer. À chaque une des années, ils vont débloquer. Ben non, c'est tout le temps barré. Puis ça en est rendu plate. Ça en est rendu que les Européens seront deux autres. Puis il y a tellement d'histoires, quatre coupes de Stanley d'affilée. Puis je sais pas, c'est triste à voir, tu sais. Oui, à quelque part, c'est triste à voir parce que un peu comme toi, là, Wayne Gretzky est un peu l'icône de notre génération. Mais on est loin de l'époque de Wayne Gretzky. Richard, tu as connu l'époque de Wayne Gretzky, les belles époques des Oilers d'Edmonton. Éliminé en 4 contre les Jets. Les Jets qui avaient une fin de saison atroce, 9 défaites consécutives, ont fait les séries de justesse. Mais là, que s'est-il passé avec les Oilers, Richard? Oui. Tu ne peux pas gagner avec deux joueurs d'hockey, je m'excuse. Ça fait... Smith a bien... J'ai écouté un peu les games. Smith a bien gaulé. Défensivement, ils en ont arraché. Puis c'est sûr que, à part que McDavid, Dwight Cycle, là, je m'excuse, là, on voyait rien sur la glace, là, comme tel, là. C'est pas Cation qui va changer une game d'hockey. Il n'y avait pas... C'est basé sur deux joueurs. Durant une saison, je pense que ça peut fonctionner parce que tu vas jouer un match. Tu ne joues pas contre la même équipe le lendemain. Ça recommence. Mais là, quand tu joues tout le temps, surtout cette année, et on joue souvent, là, ils savent les jeux. C'est sûr que si tu ne laisses pas partir McDavid, si tu le laisses partir, par exemple, tu es dans le trou, mais il ne laissait pas partir. Quand tu joues contre le Canadien, je regardais le Canadien parce que je voulais voir McDavid. Le Canadien, il l'embouteillait souvent, le McDavid. Puis je pense que j'ai scoré quoi? Un goal dans toute l'année ou deux goals contre le Canadien. Fait que il l'embouteillait. Fait que ça ne marche pas sur un joueur. T'sais. Ça regarde les bonnes équipes, là. Ça regarde Tampa Bay, là. Les joueurs sont venus, là. Plafond salarial, ça paraît-tu, là, Tampa Bay? Si tu n'as pas arrangé. Ça regarde l'équipe que les autres sont bâtis pour les séries, là. Ils sont dangereuses aussi, là. Ça va être bon. Tampa Bay, Boston, là. Finale de conférence, là. Ça va être. Ils ont un plus long goal, là. Puis, mais, tiens, on parle des Oilers, là. Très déçus. Je ne m'attendais pas à ça. Quelqu'un qui a gagné ça à Vegas en 4 games, il a fait de l'argent. Jamais j'aurais pensé ça. Écoute, on parle de McDavid, un but dans cette série. On parle de Draisaitl, deux buts dans cette série, complètement menotté. Écoute, Gordy, ton opinion sur la série Jets Edmonton, les Jets en 4. Oh, j'avais été surpris, mais un point tournant, c'est Nicolas Ehlers qui est revenu. Ils ont deux grosses lignes d'attaque, là, Et là, il n'était pas là, mais il est revenu. Là. Ça paraît, là, parce que là, puis Dubois, c'est des gros joueurs. C'est une grosse équipe pesante. Les playoffs, ça joue plus rough et tout. Puis les autres sont bâtis pour les playoffs. Enfin, j'ai bien hâte de voir ça, moi, contre Toronto. Ça va être toute une série, ça. Contre Toronto, la série entre les Canadiens et Toronto n'est pas terminée encore. Justement, on arrive
On arrive à la série Canadien-Toronto. Oh my God, que se passe-t-il avec le Canadien Montréal? 4 buts marqués en 4 matchs, en arrière 3-1 pour les Leafs dans la série entre le Canadien et Toronto. Il n'y a rien qui marche du côté du Canadien. Ils ont gagné la première victoire lors du premier match, mais depuis, ça ne marche pas. 4 buts en 4 matchs. Je vais commencer avec Richard Thien. Richard, que penses-tu de ce qui se passe dans la série du Canadien entre les Maple Leafs? Mais avant, aussi, il y a une question aujourd'hui au 98.5. Philippe Quentin a dit avoir joué le Canadien Montréal, le message de Claude Ducharme ne passe pas. Que penses-tu un peu de tout ça? Là? On va faire les résumés. Écoute, là. Ce que je pense dans cette série-là, premier match canadien gagné, il frappait tout le long. Puis... Price goalait, il fait bien goaler. Je pense qu'à Toronto, Campbell fait le job en arrière. Personne ne frappe Riley à défense. Il transporte la rondelle comme il veut sur la glace. Puis Marner est tout le temps bien placé. Mais après ça, si c'est pas Marner, ben là, c'est vrai, on parle du Tavares. Après ça, ben, Matthews, mais là, tout, écoutez, chose qui fait appui plus le beau temps, qui était à Philadelphie. Je cherche son nom. Là. On ne dira pas le noir. Ceux qui donnent une autre couleur que je joue pour les autres. Simmons. 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 White Simmons. C'est ça. Merci, Bruno. Moulinon. White Simmons. Très grosse série contre Canadien. Il brasse un peu. Il a ri ça dans la face. Fait que, mais Toronto, non, sérieusement, là, Toronto, Matthews, c'est tout un joueur de hockey. Une bonne équipe. Toronto, ça va se finir demain. Matthews va ouvrir demain, il va ouvrir le champagne là-bas. Là. Il est allé voir demain Matthews. Je ne suis même pas surpris qu'il a là ce qu'aurait 3 goals. Écoute, il va patiner, il va tout donner. Lui, il ne veut pas revenir à Montréal, ça ne l'intéresse pas. Écoute, il n'y a absolument rien qui marche du côté de l'attaque avec le Canadien Montréal. Joël Armia est le premier pointeur du Canadien Montréal avec 2 passes. Ils vont parler du charme, là, tu sais. Oui. Ducharme, c'est un Québécois, j'ai rien contre le coach Ducharme. Là. Il était garoché là, pauvre gars. Là. Ils sont allés chercher un assistant coach, il n'avait pas d'expérience. Je me demande s'il aurait peut-être mieux de monter Joël Bouchard comme assistant coach. Je ne suis pas certain non plus, mais je trouve ça plate. C'est un Québécois, puis je pense qu'il mérite mieux. J'y souhaite de rester là, mais ça ne regarde pas bien pour Ducharme. Il y a une pression quelque part qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout. Là. Ça vient probablement, ça vient peut-être d'en haut. Moi, je pense que demain, là, si le Canadien il dit « Moi, demain, je vais me donner une chance. » Tu rembarques à des jeunes. Allez-y. Kéké a très bien joué deux derniers games. Moi, je m'ai impressionné. Il a frappé, il patinait. Embarque-le à la glace. Donne-le. Si tu perds après avec tes jeunes demain, parce que Stahl ne sera plus là l'année prochaine, puis Perry ne sera plus là, puis Weber l'année prochaine, je suis même plus surpris que ça n'est plus à Montréal. Ah ouais, ouvre la machine, puis sinon demain c'est terminé pour Montréal. Puis, comme je dis, moi, Montréal, je ne vais pas pleurer, c'est pas mon équipe, puis ça sera jamais moi. Mais Toronto, une bonne équipe, ça va être une bonne série. Les autres aussi après, là, on va avoir quelques bonnes séries, des fois, si on va jouer. Écoute, Richard, là, quand la série a commencé, on était Canadien, puis les Maple Leafs, j'étais abasourdi, là, j'étais un petit peu fâché, puis même en beau joie le vert, là. Cole Caulfield, qui était un des meilleurs joueurs du Canadien lors des derniers matchs, là, qui était la bougie d'allumage, c'était oui, on va le suivre, laissé de côté. Romanov, laissé de côté. C'est des décisions là, écoute, qui venaient sûrement pas de Dominique Ducharme, qui venaient sûrement de Bergevin. Moi, Dominique Ducharme, les gars, vous savez, lorsqu'il est devenu entraîneur du Canadien Montréal, je disais tout le temps, j'aurais jamais accepté un poste par intérim. Il l'a fait. Marc, j'ai hâte d'aller entendre ton opinion, mais les décisions, là, c'est des décisions qu'on comprend pas. Bruno Colcofield laissé de côté, Romanov laissé de côté, Eric Staal qui fout absolument rien à part son un but en prolongation dans son premier match. Mais depuis ce temps-là, ça ne fonctionne pas. Que se passe-t-il avec le Canadien demain? Est-ce que ça se termine demain? C'est sûr, ça se termine demain. Puis
tu sais, Benjamin, n'importe quel directeur général va dire, on construit avec des jeunes. Oui, mais man, t'as fait pas jouer tes jeunes. C'est la première game, t'as fait pas jouer. Caulfield, c'est en fait le fun de voir qu'est-ce qu'elle valait à 5 contre 5 ou 3 contre 3 tout le temps en overtime puis en prolongation. Le ménage, man, c'est de valeur, puis ça a du charme, là, sa réputation est pas mal faite, oublie ça. Je te dis pas qu'il retrouvera pas un autre job ailleurs, non. Mais là, il passe pour un fou, puis Bergevin, ça part de la pyramide, mon gars, ça part de haut. Faut que le ménage se fasse à Montréal de haut en bas, c'est incroyable. Puis quand je mets des pauses, puis que je dis des affaires, comme mettons, là, avec Price, on sait pas à quoi s'attendre. Je dis pas qu'il est pas bon, je dis pas qu'il sait qu'il est ça, je dis que lui, quand il va d'un goal, à quoi qu'on s'attend, une victoire ou une défaite, les joueurs, ils ont du confiance, hein? Je dis pas qu'il est pas bon, je dis juste que quand Price, il va dans le net, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est juste ça. C'est de comprendre les pauses. Moi, m'en faire des dessins plutôt, maintenant, mon homme, je te jure. Price, puis c'est vrai, je suis sûr que tu demandes aux autres gars, puis Price, quand tu le mets dans le net, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il en tire une bonne, il en tire une pas bonne. Oui, il est bon. Mais en tout cas. Puis non, Toronto, ils sont trop dominés. Même Toronto, Montréal fait une passe, il a saisi, et il lance dans la zone. Il s'en va de l'autre joueur de l'autre bord, il s'en va pogner la rondelle. Il y a un joueur devant le net. Toronto, oublie ça, ça finit de même, man. Montréal, c'est incroyable de penser que Montréal, avec tous les joueurs qui ont été cherchés, ça donne rien. Ça donne rien, ça fait un gros flop. Écoute, ils ont quand même connu une belle saison, là. Ils se sont qualifiés lors de la dernière semaine pour les séries éliminatoires. Tyler Toffoli a eu une super de bonne saison, en saison régulière, mais en séries éliminatoires, deux passes. Aucun but jusqu'à maintenant. Écoute, Carey Price, quand même, 2,59 de moyenne, 920 pourcentage de reste. C'est correct. 920, c'est. Écoute, on va se dire les vraies choses, là, c'est 920. C'est correct, là, mais parmi les gardiens dans les séries éliminatoires, c'est parmi les plus faibles. Gaudier, il casse son bâton dans une pratique. Fais ça dans une game de playoff, man. Pas dans une pratique. C'est tout ce qu'il devra faire, il le fait dans une pratique. Voyons donc. Écoute, Carey, on va demander l'opinion de Gordy. Écoute, Gordy, est-ce que tu penses que les carottes sont cuites pour le Canadien de Montréal demain? Oh, s'ils ne sont pas cuites, ils sont croustillants, ils sont avec des cuites. Moi, pour revenir à Duchamp, là, moi, Canadien, ce n'est pas mon tout, moi non plus. Là. Ben, j'aime ça quand ils vont plus loin d'être là, parce que ça fait des bons zooms, là, mais je ne veux pas qu'ils gagnent la Coupe Stanley. Mais quand ils sont plus loin, ça ne me dérange pas, mais d'abord qu'ils ne gagnent pas en coupe. Mais moi, j'ai bien de la peine pour Duchamp. Ça a l'air d'un bon gars. Il a été pitché là. Putain, il est même, je suis sûr, il a vraiment semé. C'est Bergevin, le club, c'est Bergevin. Moi, je suis sûr de ça. Moi, je ne peux pas croire que Romanov ne joue pas Merrill. Bergevin est allé chercher Merrill. Je suis sûr que ça vient de lui pour qu'il le fasse jouer. Il aurait bien fou. Hey, Stahl, Gustafsson, Merrill. Il est allé chercher ça. Regarde. Moi, Duchamp, là, je lève mon chapeau. Moi, je n'ai aucunement la faute à Duchamp. Il est mêlé, je suis sûr de ça. Avant ça, c'était Julien. Avant ça, c'était un autre. Moi, Canadien, là, il y avait d'autres choses, je vous l'ai dit. Quand tu dis la série, là, la dernière partie, quand tu dis, va dire comme Bergeron, quand tu dis Joe Thornton, Simmons, le 19 est moins pire, Spencer est bon, puis Galchenyuk, ils ont l'air des super vedettes à la McDavid, là, qui passent à voir pas bien les Canadiens. Quand tu dis Thornton, il paraît bien d'une game. Là, moi, j'ai 65 ans, c'est sûr que je patine plus vite, là, manière de parler, là, ben, c'est pas le plus rapide, là, Joe Thornton. Là. Quand tu dis que ces gars-là paraissent bien, là, c'est parce que. Ah non, Canadien, je ne peux pas voir de quelle manière. Il faudrait que Price fasse un blanc sur ça finisse 1-0. Mais ils ne sont même pas capables d'en compter un. Hein. Moi, honnêtement, le Gordy et la gang, là, je trouve ça épouvantable ce que je pense avec le Canadien de Montréal. Là. Mais ça sonne, il y a quelqu'un qui m'appelle, ça sonne dans mes oreilles, mon cellulaire sonne là-bas. Là. Moi, ça doit, écoute, là, ben. Ça doit être Carey Price qui m'appelle ou Marc Desjardins. Mais les gars, vas-y, Gordy. Moi, je ferais un clean-up cet été. Moi, je ne sais pas s'ils vont le faire. Bergevin, Timmins, depuis le temps, regarde. Bergevin, ils sont fait 10 ans, regarde. Il ne se passe rien. Écoute, Gordy, on le sait depuis plusieurs années. Chez le Canadien de Montréal, le Marc Bergevin, on n'a jamais vu un directeur général vivre aussi longtemps avec une équipe
qui ne participent pas aux séries éliminatoires aussi souvent. Marc, j'arrive à toi, j'ai hâte d'entendre tes commentaires. Mais lors des derniers zooms, on faisait le top 5 des Coupes Stanley, puis je vous disais Jake Campbell, 1-0-1 de moyenne. 965 de pourcentage d'arrêt. Marc, que se passe-t-il avec le Canadien? Que se passe-t-il? Que penses-tu qu'il va arriver avec Dominique Ducharme? Ben, Dominique Ducharme, là, il a l'épée de Démoclès, puis c'est sûr qu'il n'y a pas les coups des franges. Écoute, là, moi, Caulfield qui ne part pas le match numéro 1 avec Kéké, c'est correct. T'sais. Il gagne la première game, deuxième game, tu reviens, troisième. Moi, c'est pas trop de problème. Moi, c'est Romanov. Moi, Romanov, il amène un aspect robustesse, puis en plus, la relance en défensive du Canadien, là, il y a Petrie d'habitude, mais Petrie, il joue du hockey horrible. Il est peut-être blessé, il est fatigué, je ne sais pas, mais il ne joue pas. Il est sûr qu'il donne son maximum. Je doute pas que tout le monde du Canadien essaye de faire son maximum. On ne sait pas leurs conditions, puis d'autre part, Toronto a même affaire. On sait que le Canadien est une équipe moins forte que Toronto. Mais Romanov, me semble, Merrill, là, le dernier match, il a été loin d'être le pire défenseur. Là. Je pense que Kulak pourrait sortir avant Merrill. Qu'est-ce que j'ai vu le dernier match, peu importe. Là. Mais moi, je mets Romanov. En plus, tu sais, tu es une équipe jeune, tu veux donner de l'expérience à tes gars, je comprends pas. Mais là, lâche-moi tes statistiques, là, 965, là. Campbell, là, regarde les goalers, là, tes goalers, toi, là, là. Moi, d'après moi, là, Pierre Pilon, là, dans l'uniforme des Maple Leafs de Toronto, là, avec la super menace de l'attaque des Canadiens qui produit beaucoup de choses en zone offensive, là, d'après moi, tu sors avec une moyenne de 932. Fait que lâche-moi, Campbell, là, sérieusement, là, Bruno et toi, là, vous êtes à genoux devant ça. Être sacrément en paix avec ça, c'est un des pires goalers. Il y a Tristan Jarry qui est pire, là, puis après ça, Campbell, là, il est pas dans le top 10 des goalers cette année. Dans la série, il est atroce. Puis goal, non, écoute, t'as pas vegan, toi. Le Canadien, il shot en périphérie. Comment que le Canadien a de chance A1? Dans une gang, là. Il y en a à peu près 2-3. Et Price, il y en a à peu près 20. C'est épouvantable. Price, il goal par-dessus sa tête. Campbell, là, sérieusement, là, il va peut-être pogner un nœud contre les Jets de Winnipeg. Moi, s'il goal de même, je ne suis pas sûr qu'ils vont passer les Jets. Puis, non, moi, sérieusement, les Maple Leafs, là, ils ne m'impressionnent pas vraiment. Puis, quand tu dis que le Canadien, là, je pense que c'est le pire club des séries présentement. Et comme Gagordi dit, Spezza, Simmons, puis Thornton, ils ont l'air à patiner vite. Là. Hey, ça va pas bien, là. Puis ton trouillot numéro 1, c'est de supposé Dano, Tatar, puis Gallagher. Gallagher, moi, il donnait un mulligan, il a pas joué à sa fin de mois, là. Écoute, il fait qu'est-ce qu'il peut, là. Tatar, là, hey, toi, là, qui t'étais outré, là, Pierre, là, de pas faire jouer Tatar, là. Hey, moi, Tatar, là, être d'avoir, puis ça presse, s'il pense avoir 5 millions, là, et il inodore et sans saveur, c'est un maudit temps, lui. Puis Dano, écoute, là, il y a deux alliés qui ne suivent pas. Puis Dano ne joue pas du gros hockey. Puis le Canadien, là, c'est loin d'être une grosse équipe. Regardez la ligne de centre. Dano, c'est supposé être ton trio, ton numéro un. C'est supposé être dans une équipe qui est aspirante à Coupe Stanley, c'est supposé être un troisième centre. Okay, Dano, là, c'est le numéro un. Ça ne fait pas bien. Kéké, il n'a pas joué un match, là, il est là, il est supposé être dans tes trois premiers centres. Puis il y a Suzuki qui, je pense, c'est celui qui tire quand même un peu plus là, l'épingle du jeu. Ça fait dur, là. Fait que moi, là, Campbell, là, moi, je te dis, même mes pattes, Bruno, d'après moi, mais ses pattes, lui, peut-être 920, là, des moyens d'efficacité, là. Mais sérieusement, là, regardez le Canadien, là. Puis quand on arrive en zone offensive, les gars, là, et les Canadiens sont quasiment immobiles. On dirait qu'ils break à la ligne bleue. On dirait qu'ils sont dans un scrimmage. Ils ne débordent pas les défenseurs. Fait que, là, les défenseurs des Ligues, là, paraissent bien. Bogosian, là, je ne l'ai même pas vu se faire déborder une fois. Mais s'il y a de la misère à tourner d'un bord, d'habitude. Moi, je ne comprends pas. Les Canadiens étaient supposés être une équipe qui était rapide. Barron, puis toute l'équipe. Là, ça arrive, ça break. Fait que, tu ne peux pas accroître de rien. Fait que, dès Campbell, c'est sûr qu'il paraît bien. Puis en plus, il n'y a même pas de circulation devant le net. Combien de fois qu'il a délancé, là? Tu le vois, là, il cueille la rondelle avec sa mitaine, là, puis il a quasiment le temps de sauter le pipette d'en face, de se faire à travers sa visière tellement qu'il n'y a pas de monde devant lui. Fait que moi, c'est, moi, le Canadien, sérieusement, l'effort, elle laisse à désirer, c'est un moyen temps. C'est le pire club d'insérie présentement. Regarde, ils sont arrivés par la porte en arrière, puis regarde, on le voit, là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis Price,
sérieusement, moi, je suis content. La seule chose que je suis content des séries, moi, peut-être autant être défenseur de lui, puis il me fait honneur. Moi, là, sérieusement, là, s'il n'y a pas Price, le Canadien, là, hier, là, c'est 2-0 après 4 minutes. L'autre game qu'on a perdu 2-1, on la perd peut-être 6-1 ou 8-1. C'est Campbell, l'autre bord, là, ben, je te le dis, là, c'est 4-0. Les Canadiens n'ont pas gagné. Les Canadiens ne gagnent ben, pas une game, Campbell, dans le net avec les Canadiens, c'est sûr et certain. Fait que moi, je vous dis, là, Toronto, là, même pas sûr qu'ils vont passer les Jets, c'est sûr qu'ils ne vont pas comme ça mener. Bien désolé pour toi, là, mon Pierre. Là, mais... Écoute, Mac Tobo, être un hater de la ville de Toronto, là, mais selon moi, oui, je suis un gardien de but, puis selon les statistiques, c'est pas moi qui l'invente. Là. Jake Campbell est l'un des meilleurs gardiens de but qui a joué pour les Leafs de Toronto depuis des années. C'est une équipe de chaudron depuis des années. 67, l'équipe, ça fait plus longtemps qu'ils n'ont pas gagné en coupe, puis ils ne gagneront pas cette année. Oui, mais on s'en fiche là, qu'une équipe de chaudron. On parle de Jake Campbell. Je le dis depuis la venue de Jake Campbell lors des Zooms, lors des gérants d'Estrade. Tout ce qui vient de changer dans l'organisation des Maple Leafs de Toronto, c'est l'avenue de Jake Campbell. On compare à Patrick Laine, on compare à d'autres gardiens de but qui ont des débuts de saison. Jordan Bennington, qui a mené les Blues en Coupe Stanley. Jake Campbell est la solution au... Ben, André Racicot, là... Tu le mettrais dans les nets là, présentement là, pour Toronto. Là, puis d'après moi, là, il y aurait la même fiche que Campbell. Écoute, Marc. Marc, tu dis quelque chose, Pierre? Vas-y, Renaud. Marc, il ne faut pas t'oublier que là, je sais que tu ne seras pas d'accord avec moi, là, mais Campbell, il a eu une fiche 11-0 en début de saison. Okay? Puis oui, je suis d'accord avec toi. Si on parle de Winnipeg, Elbach, il est foutrement supérieur à Campbell. Il ne passera pas Campbell. C'est sûr et certain. Elbach est bien meilleur. Ben, je suis d'accord avec toi. mais sur papier, je prends les Maple Leafs. Les gars, vous savez que je prédis la finale de la Coupe Stanley aux Maple Leafs de Toronto. Mais ça fait mal la perte de Tavares, par exemple, Pierre. Ben, je pense que. Puis Foligno, il n'est pas là non plus. Imagine-toi, là, le Canadien, ils ne sont même pas capables de gagner une game, puis ils n'ont pas Foligno. Imagine-toi, le Canadien, s'ils n'ont pas, on va dire, Josh Anderson. Avec Suzuki, on va dire. Là. Au-dessus aux Canadiens, puis Canadiens, d'après moi, là, ils n'ont même pas moyen de se présenter à la game. C'est sûr qu'ils ne gagnent pas, mais ils ne gagneront pas le plus. Mais Toronto, ils n'ont pas ces deux gars-là. Puis les Canadiens, ils se font déclasser. Imagine-toi. Écoute, ce qui est arrivé à John Tavares, c'est vraiment triste. Là. Puis d'un côté, des fois, ça peut arriver qu'un événement triste, mais l'équipe se rallie derrière ça là, pour se motiver, pour aller chercher la victoire. Mais écoutez, les gars, le débat Canadien livre, on a des bonnes games, c'est le fun qu'est-ce qui arrive. Mac, est-ce que tu crois que Dominique Duchamp va revenir l'année prochaine si le Canadien perd demain? Ben, moi, écoute, tu sais comment que j'ai de l'affection pour les Québécois, puis... Moi, sérieusement, là, je regarde les séries. Le Canadien-Toronto, c'est la pire série que je regarde à la TV. Je trouve ça, moi, épouvantable. Malheureusement, écoute, c'est une ligue de résultats. Hein. Fait que moi, je ne dis pas qu'il n'est pas un bon coach. C'est pas de sa faute, mais s'il revient, tant mieux pour lui. Mais ça me surprendrait énormément. Puis ça va se finir demain. Là. Les Fafans, là, arrêtez de lâcher... Les arbitres, si pis ça, là, le Canadien, ils ont de la misère à produire 2-3 bonnes chances de scorer d'une game. Fait que c'est 5-5, c'est ça que j'ai prédit. Écoutez, les gars, on va terminer l'émission dans pas long. Il y a trois matchs ce soir, ça va peut-être se terminer. Les séries sont tous égales à 3-2. S'il y a quelqu'un, je vous vois regarder la télé, ma gang de chanceux, moi, je vous regarde vous autres, savoir vos réactions, je vous vois regarder ce qui se passe. Là. Écoute, on va faire ça simple. Là. Est-ce que les séries entre les Islanders et les Penguins se terminent ce soir? Je vais y aller avec Gordy. Gordy, Islanders, Penguins, ça se termine-tu? C'est important pour nous, c'est notre prochain adversaire pour les Blues. Bon, oui, ça, je regardais tout à l'heure, c'est 5-3, là. Moi, je priais pour Pittsburgh gang. J'aurais même aimé bien mieux pogner Pittsburgh avec Jarry d'un but. Parce que cette année, c'est vrai que c'est une autre saison, playoff, mais j'ai bien plus peur d'Allenders que Pittsburgh. Mais ça va être une bonne série. Bon, ça finit à soir. Écoute, là, t'aimes pas bien mener 2-0, ça devrait finir à soir aussi.
Écoute, moi, avec, je pense qu'on on va tous être d'accord qu'on a, on aurait aimé affronter les Penguins de Pittsburgh là, pour côté gardien de but. Richard, toi, Islanders, Penguins, ça se termine ce soir? Ben oui. D'après moi, là, qu'est-ce que je vois, là, Jerry n'a pas fait la job à ce soir, mais pas pantoute. Là. Il doit s'ennuyer de Marc-André Fleury, Pittsburgh, dans ce temps. Non, c'est sûr. Ça va finir à soir, mais c'est sûr que les Islanders. J'aurais aimé mieux Pittsburgh. Là, on va prendre les Islanders, puis comme je dis, il va falloir patiner, puis il va falloir les frapper, puis pas donner de pouce à Barzal, puis la regarde encore faire une feinte contre le temps. Là, puis déborder le temps. Puis, non, ça va être une série, mais je pense qu'on a un meilleur gardien. Notre gardien va faire la différence. C'est notre gardien qui va nous emmener là. Dans l'autre série, c'est 1-0 Lightning, mais moi, je ne suis pas sûr que ça n'ira pas en 7. Je pense que les Panthers ont une très bonne équipe, ils l'ont prouvé. Fait que, mais ça peut finir aussi à soir, mais ça peut finir en 7 d'après moi, eux autres. Là, mais à soir, là, Pittsburgh va perdre, là, et puis c'est 5 tours, il reste 15 minutes. Là. Je ne peux pas voir là, comment ils vont faire là, pour les battre. Là, mais... Écoute, on fait une bonne série. Écoute, tu as apporté le nom de Marc-André Fleury. Quel gardien de but. Un phénomène dans l'histoire du Québec, là, dans la même trempe de Patrick Foy, Roberto Luongo, Martin Brodeur, Marc-André Fleury, 1,40 de moyenne jusqu'à maintenant dans les séries, 946 de pourcentage d'arrêt. Écoute, Bruno, partisan des Blues, la série Islanders-Penguins est importante pour nous. Ça se termine ce soir. Oui, c'est terminé ce soir. De la manière qu'on voit Islanders jouer, il est super bien. C'est incompréhensible. Samsonov fait même pas d'un but. Puis moi, tu sais quoi, j'aimerais ça voir New York. Une raison. On peigne le meilleur coach de la ligue. Puis ce qu'il faut battre contre les Islanders, c'est le coach, c'est pas les joueurs. C'est une manière de parler. Je fais une joke avec ça. Là. Mais Samsonov, s'il peut revenir, ça va être un excellent duel de gardien de but. Puis New York a des bons petits joueurs. Puis non, on va passer à travers. Que ce soit un ou l'autre, pareil, que ce soit un Penguin ou un Islanders, on passe à travers. Écoute, Bruno, ça va être le fun de regarder la prochaine série de nos Blues contre les Islanders. Ça se dirige vers ça. Marc, écoute, ça se termine ce soir, Islanders-Pingouins. Oui, puis c'est pas Samsonov, Bruno, c'est Varlamov. c'est Varlamov, excuse-moi, Varlamov. Mais Sorokin, il est bon aussi. Moi, non, ça se finit à soir. Puis moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai bien espoir, là. Qu'est-ce que les Bruins ont fait à partir de l'overtime du troisième match? Les deux premiers matchs, ils me laissaient un peu sur le qui-vive, mais 3, 4, 5, Taylor Hall s'est élevé. C'est la défensive là, qui me fait peur, comme Richard disait, là, Miller pour qu'il revienne. Lauzon, c'est une grosse perte. En tout cas, Lauzon, c'est une main. Je ne sais pas s'il va être là. Je n'ai pas l'update. Là. Ça va être important. Mais l'esprit d'équipe, le concept de jeu d'équipe des Bruins, il est impeccable. L'idée par Bergeron, c'est sûr que ça va être... Les séries, c'est jamais facile. Mais tu as passé Capitals en 5. Moi, je trouvais que c'est le match-up qui était le plus difficile, même si on ne savait pas ce qui se passait dans le vestiaire. Puis Samsonov n'était pas là pour les deux premiers matchs. Moi, je pense que Boston va passer... On va sortir, peu importe, mais là, ça va être Islanders. Ce ne sera pas facile, mais tu sais, un 6-7, là, mais ils vont passer. Je pense qu'on est tous d'accord que les Blues vont aller loin en série. Écoutez, les gars, c'est comme ça que l'émission va se terminer dans pas long. On pourrait en jaser encore pendant longtemps. On ne sait pas quand est-ce que va être le prochain Zoom. Les gars, je voudrais vous remercier. Un petit dernier tour de table. Gordy, écoute, je suis vraiment content que tu aies été présent ce soir. J'espère te revoir bientôt pour un prochain Zoom. Ben moi aussi, Pierre, merci de m'avoir rappelé pour le Zoom. C'est tout le temps plaisant. Puis c'est le fun d'avoir les gars. Puis j'ai hâte aux prochaines prédictions. Là. Puis moi, j'ai appris, pour finir, là, pour mettre la chicane, moi, j'appuie Marc. Campbell, je l'ai loué dans ma soupe le matin pour manger, puis c'est tout. C'est un goaler bien ordinaire. Où je ne tirerai pas loin, ils vont se faire battre en 4 contre les Jets. Je joue de même, les Jets en 4 contre Toronto. Je vous l'ai dit cette semaine, les gars, finale de la Coupe Stanley, Bruins Toronto. Non, c'est impossible, Pierre, parce qu'ils se pognent en demi-finale. Non, finale de section. Ils se pognent en finale de section.
Ben là, je suis peut-être un petit peu mélangé, mais je pense que non. Là. Je pense que non, c'est. Je pense que Marc. Je pense que non. Non, je pense pas, moi. C'est l'Avalanche. C'est l'Avalanche Vegas qui est contre Canada. Puis t'as Boston, eux autres, sont contre Tampa Bay. Exactement. Donc, si on a une finale de Coupe Stanley, ça peut être Canadien-Boston ou Toronto-Boston. Donc, mais ce ne sera pas Toronto, ça va être Vegas-Boston. Mais on a le droit de rêver. Original Six, les gars, finale de Coupe Stanley, Toronto-Boston, Toronto-Canadien. Mais là, vous venez de me faire peur, Tampa Bay-Boston, demi-finale, là. Oui, c'est ça. Ça va être pas sûr, ça. Pas Boston. Écoute, Richard, je te remercie d'avoir été présent pour le Zoom d'aujourd'hui. C'était vite fait, là, mais je pense qu'on a eu bien du plaisir de parler hockey ensemble, de parler de golf. Puis je viens rentrer au prochain Zoom dans pas longtemps. C'était bien le fun, les boys. C'était le fun de se revoir puis de se parler. On s'est agacé un peu. On s'est envoyé des petits mots aujourd'hui. C'était drôle. Puis. Je trouve qu'on fait une bonne gang. Puis notre homme, c'est notre homme pas de cheveux là, qui nous rappelle à l'ordre. Gandhi, il est toujours là. Puis... Non, c'est le fun. Je trouve qu'on a une belle gang. Puis, c'est le fun. On s'amuse. En tout cas, je m'amuse. C'est ça. Tout le monde est smart. Puis, c'est ça qui est le fun. Puis, on est capable de donner notre opinion. Puis, je pense que c'est ça qui fait notre force. On donne notre opinion. Puis, on s'en rejoint, ils font des petites affaires, puis c'est correct, c'est normal. Oui, c'est correct, c'est sûr que c'est correct, puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. On est aussi bons, on est des amateurs, notre show est vraiment bon. Parce que moi, Richard, je ramène ça, parce qu'à 65 ans, il me reste juste ça, un peu de sagesse. Ah, tu n'as, mon gars, tu n'as. Écoute, Bruno, nos bros s'en vont pour la Coupe Stanley. T'es confiant, mettons, sur une échelle de 10, on est allé en finale de la Coupe Stanley, notre deuxième depuis 2011. On fête notre 10e anniversaire, drôle de hasard. 10e anniversaire. C'est quand même pas pire qu'en 10 ans, on gagne notre Coupe Stanley, mais là, ça fait de commencer. Il reste encore gros du chemin à faire. Puis, comme Richard a dit, c'est super le fun de se parler autrement qu'avec les Zooms. C'est cool. La gang est belle fun, elle est cool. Puis, c'est le fun de voir qu'on peut se parler autrement qu'avec des Zooms. Quand on retrouve les Zooms, ben, on est super contents et on se retrouve toute la gang. C'est cool. Écoute, oui, c'est cool. J'ai hâte de retrouver les autres aussi. La gang des jeunes, Mathis, Alexis, j'oublie des noms, Sam. Il y a plein de personnes qui veulent participer au Zoom. Avant, c'était à 4 par semaine, mais vu mon changement de travail, c'est un quand il ne mouille pas. Marc, je suis vraiment content que tu aies été présent, comme Gordy, comme Richard, comme Bruno, comme les autres qui vont venir. C'est tout le temps plaisant de se retrouver, les gars. C'est vraiment ça qui me coche. Ah, c'est toujours le fun de se revoir, puis surtout qu'on jase pas mal par Messenger, là, mais là, de pouvoir se voir la face puis d'échanger comme ça. Là, je vous fais un statement, les gars, là. Si la Coupe Stanley, c'est Toronto-Boston, je m'en vais m'acheter un chandail de Patrice Bergeron signé. Je ne le mettrai pas parce que je suis un collectionneur, mais ça va être dans ma collection. Je vous le dis, je vais vous le montrer. Je m'achète ça, c'est Boston Maple Leafs. Ça coûtera que ça coûtera, je m'achète ça. Écoute, je pense que ça serait vraiment une finale de Coupe Stanley de rêve. Là. Non, non, pas Toronto. oui, Toronto. Écoutez, les gars, on va faire notre fidèle piece. Il approche 9h. On a tous eu notre grosse journée. Mais c'était vraiment ça king coche de vous retrouver, les gars. Je suis vraiment content. Je vais mettre ça sur pause dans pas long. Puis au lieu de l'écouter, bonsoir les sportifs, ce soir, je vais réécouter les gérants d'estrade. Le 26 mai 2021. Merci, les gars. Je suis vraiment content de vous avoir jasé à la maison. Si vous écoutez notre Zoom, j'espère que vous avez aimé notre émission. La prochaine, je ne peux pas donner de date. Ça va dépendre de la maudite pluie. Espérons qu'il va pleuvoir la semaine prochaine. Il annonce de la pluie, mais je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, tout le monde à la maison, merci. C'était vraiment ça qui me coche. À la prochaine, tout le monde.